y a un commissariat à Bezons, il sera évidemment maintenu. C'était il y a 2 ans, Manuel Valls en visite à Bezons promettait plus de présence policière et le maintien du commissariat. Aujourd'hui, la donne a changé avec la nouvelle réorganisation de la police sur le département. L'effectif a été réduit, l'accueil du public se limite seulement à 5 heures par jour. Le reste du temps, les plaintes se font désormais sur Internet ou à Argenteuil. Pour sauver le commissariat, un collectif d'élus et d'habitants s'est constitué. Fort d'une pétition de 4500 signataires, il était reçu hier à l'Élysée. 2-3 fonctionnaires qui ne sont présents que de 12h à 17h à peu près, ni plus ni moins un poste de police. Ce n'est plus un commissariat. Ça me fait penser un peu à un commissariat de Tintin au pays des soviets. Vous voyez, il y a la façade, mais derrière, il n'y a plus rien. Eh bien, on est un peu dans cette situation à Bezons. Cette situation est le résultat de la réorganisation des circonscriptions de police dans le Val d'Oise. Celle-ci prévoyait le rattachement du commissariat de Bezons à celui d'Argenteuil afin de mutualiser l'administratif et libérer des hommes sur le terrain. Ça fait 15-20 ans qu'on explique une réorganisation dans l'entreprise, dans le privé, que c'est pour mieux redéployer, assurer plus de productivité, donner plus de moyens, finalement plus de résultats. Ça, c'est le discours qu'on connaît. Celui-ci, maintenant, les pouvoirs publics, l'État s'en est saisi. Et c'est surtout un rabougrissement à chaque fois qui est proposé. Le collectif considère que la réorganisation n'est pas adaptée au développement de la ville de Bezons. Bezons est une ville qui grandit, qui se développe et qui, dans ce cadre, rencontre, quelques petites difficultés avec des trafics qui se déploient et un certain nombre d'actes de délinquance qui se multiplient. Il y a eu un loupé, ça peut arriver. Et bien à partir de ce moment, on regarde comment on bouge les lignes et qu'on rattrape le coup et c'est tout à fait possible. C'est sur ces points que le collectif a tâché de convaincre le cabinet de François Hollande. À leur sortie du palais de l'Élysée, les Bezonnais avaient l'impression d'avoir été entendus.